Bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va reprendre avec Petite Porte. Et d'abord, j'ai une surprise. Il y a Marie qui a fabriqué une petite porte. Elle nous a envoyé une vidéo pour qu'on voit comment elle a fait. À toi, Marie. Petite porte, ouvre-toi. Cette semaine, on va aussi reprendre la chanson de la marionnette. J'allais oublier aussi de te dire que j'ai une autre surprise. C'est Samy qui chante. Une marionnette s'en va au marché avec son grand sac pour acheter 5 jolis radis. S'en va au marché avec son grand sac pour acheter. Je te demande de re-regarder et de rechanter avec moi dans la vidéo que j'avais envoyée avant les vacances. Et après, de chanter avec la nouvelle vidéo, parce que j'ai rajouté une difficulté à la fin. Je te laisse découvrir ça. Et puis on finira par deux écoutes musicales. D'abord, Thomas, le professeur de saxophone, qui a réalisé avec moi aussi un C'est pas pareil sur les saxophones. Et un autre C'est pas pareil sur... Alors, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle les mouvements conjoints et les mouvements disjoints. Les mouvements conjoints, c'est quand il y a une mélodie avec des notes qui se suivent, comme dans l'ordre de la gamme. La, 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 la. Et puis les mouvements disjoints, c'est une mélodie où il y a des grands sauts. Pa, 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 po, 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 po. Enfin, tu verras. Là, c'est Armel qui va jouer à l'alto dans cette vidéo-là. Je te souhaite une très bonne écoute et un très bon chant. Au revoir.